l'année à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Qui ça Haïti doit espérer après cette série de visites d'émissaires américains pour tenter de résoudre la crise? Bon, en général, politique étrangère des États-Unis, bon, Jean que l'a élaboré, quand il a toujours commencé, c'est dans le département d'État. À ce qui a trait à nous-mêmes, il a commencé dans un bureau qui est le WHA, Western Hemisphere Bureau. Après, ça a passé dans la police planning, il est passé par le secrétaire d'État des affaires politiques, il est monté dans le bureau secrétaire d'État, après ça, dans la Maison Blanche. Côté en dans Maison Blanche, bon institution qui est le National Security Council, ils ont invité représentants de tout l'autre ministère, ils ont gardé deux scénarios, et puis sous base ça, président des États-Unis en bas en l'autre, et sous base l'autre ça, c'est politique ça qui a pas appliqué. Ça y a fait là par rapport à Haïti, pas nouveau, ouais, en matière de décision politique des États-Unis par rapport à Haïti. Nous sommes en époque, décision politique Maison Blanche, sous rapport département d'État, défense, CIA, etc. C'était retour à l'ordre constitutionnel en Haïti après coup d'État en 1991 que Jean-Bertrand Aristide défait. Il y a des nègres Port-au-Prince qui pas de prendre ça au sérieux. Virer l'envers, virer l'en droite, retour à l'ordre constitutionnel l'a fait. Je dis, les Américains en gado, ils pendant 33 ans, ils ont vécu en rond. Alors, pour étudiants en sciences politiques, ils ont été pour qu'ils comprennent ça, m'a dit, pour faire papier blanc. Font petit won sous feuille papier blanc. Premier petit boîte quoi mettez et sous won, son boîte côté élection fin organisée. Lorsqu'il mettez petit boîte ça, mettons deuxième petit boîte. Dans petit boîte ça, il y a des gens qui commencent à contester l'élection après 3 mois, qu'il fait 4 mois, qu'il fait, et puis ils commencent à demander gouvernement de consensus, mais qui perd l'élection. Troisième petit boîte là, il y a pris vont côté, ou va le dire, vle pas vle, faut l'aller. Quatrième petit boîte là, yo pral mettre gouvernement de transition. Cinquième petit boîte là, yo pral faire élection encore. Et puis yo pral recommencer. Américains ont gardé depuis 33 ans, c'est comme ça, vivre en rond avec petit boîte ça. Ils décident de mettre un point final pour stabilité politique, parce que pas qu'il y a un développement économique dans le pays d'Haïti sans stabilité politique. Les Américains ont débarqué tout Port-au-Prince. Institutions américaines ont fait rapport à Washington à travers l'ambassade américaine qui n'a pas cette section là-dedans. Ils connaissent que ces violences opposition qui mettaient 3,9 millions de monde en plus additionnels dans le grand goût. Ça veut dire récolte paysan pas calme dans le marché, paysan perdu récolte li, li décapitalisé. Si machin qui a acheté 72 bananes, patates, malanga, il n'y a pas qu'à venir vendre à cause de gang opposition qui sous barricade. Participer dans vos réalités. Chauffeur taxi, chauffeur camion, chauffeur camionnette, moto-taxi, décapitalisé pour même raison, long camion arrivé sous barricade, c'est $1,000 pour payer pour passer. Lui connaît que ça vient créer une catastrophe humanitaire. Américains gardés, lui ouais, violence là, fait nous perdu $1,450 million américains en 23 mois, nous perdu à peu près 45 000 jobs et nombre de femmes qui ont violé sous barricade, presque 500. Barricade Yopi a à peu près 30 000 personnes à travers le pays dans le gang qui a demandé mon corps. Donc, Américains ont conclu, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Ça n'a pas intérêt national, les États-Unis, pour stabilité régionale par rapport à chaque démocratique. Là. Même si on fait le Governor's Island, même si on fait le monté-descend pour le retour à l'ordre constitutionnel, Américains ont monté-descend et ils ont des outils normaux pour le monté-descend. Les politiques américaines n'ont pas appliqué que la Russie. Que l'Iran, que le Venezuela, quel que soit côté là pas appliqué à, politique américaine, étrangère américaine, toujours servi à deux outils. Premier outil, c'est ça, le langage étudiant, cap étudier, relations internationales, dans l'INAG, qui compte ça. Premier outil que vous utilisez dans le langage diplomatique, c'est la carotte. Et vous passez maintenant tête ou de l'ouvrir quelque chose, mettre à porte pour lui, de nous faire un dialogue là, et participer dans le dialogue là pour monter le gouvernement d'union nationale, c'est ça, le la carotte. Vous pas quelque chose à l'ouvrir pour vous. Deuxième outil que les Américains ont utilisé, et c'est lui que l'on a utilisé pour retour à l'ordre constitutionnel, et c'est ça, le bâton. Le bâton a plusieurs qualités formes que le cabre. Il y a droit à ses comptes en banque ou que l'on frise. Il y a droit à madame à petit tout, il y a retourner. Il y a droit à ses visors, il y a retiré. Il y a droit à ses dires qui viennent bon. Il n'y a pas quelques outils pour bâton. Donc, ce qu'on a fait là, c'est bon, nouveau. Tout le monde qui suit l'histoire politique
et pays d'Haïti pendant 33 ans qui sont passés là. Et nous connaissons et capacité les États-Unis comme seule superpuissance qui sous la terre. Je dis à la Russie en bas sanction. Je dis à l'Iran en bas sanction. Je dis à la Corée du Nord, le Venezuela et bah, ça n'a pas gagné fouet là. Donc, je dis à nous, 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 en tant qu'Haïtiens, il faut garder la tête dans glace. Nous sommes fait 33 ans à faire une petite boîte qui n'a pas de doute à l'air. 33 ans et élection, et contester élection, gouvernement de consensus, les pavés pour l'aller, transition, élection encore. Et puis pendant 33 ans, nous vivons ça, c'est le pays qui nous fait battre. Ça, le pays a payé au niveau économique en 1987-88. Jodi en 2019, nous plus mal que ça. Et nous avons un peuple qui est dans grand goût. Nous avons 7,7 millions de jeunes qui ont besoin d'opportunités économiques. C'est Brésil, c'est Chili, c'est Saint-Domingue, c'est côté ça, on peut aller pour aller chercher là. L'île est pour nous camper avec insanité, ça. L'île est pour nous leader politique. Imaginez Wendell Théodore, pour que leader politique à l'étranger Abgado, l'étendre leader politique haïtien opposition, pas menacer élève l'école qui dit écrit non petit tout avant voler l'école. Qu'a bouler cette formation professionnelle dans Milo. Qu'a bouler et lycée communautaire dans tout Dino. Et n'est qu'à faire politique, qu'a attaquer l'hôpital. Qu'a bouler et bien monde. Son bail qui presque c'est de l'insanité pour qui ça, parce qu'on a besoin de transition pour aller renforcer ce système là. Donc, désolé, ça a fini. Et vous voulez parler, par un dialogue qu'a fait. Moun sérieux quand il est dans le dialogue là. Il a fait partie du gouvernement d'Union nationale là. Parce que depuis 18 février, chambre des députés a voyé et s'ouvre le premier ministre à aller. Il est arrivé pour le gouvernement à la veille que mandat 20 sénateurs avec chambre des députés à Val fini. Donc il est arrivé pour payer à bon gouvernement. Problème sérieux que le peuple a gagné par rapport à l'insécurité, par rapport à grand bruit la crier que résout. Dans ce sens, ça, faut me féliciter et tout policier et commandement police nationale là pour le travail extraordinaire qu'il a fait à travers opération toile d'araignée qui commence à marrer gang qui t'a fait son peuple à couler pendant 23 mois. Nous dit policiers, le peuple a content nous parce qu'il a des réactions peuple à sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et la le peuple a content opération la police a fait contre gang. Pour nous finir, Stanley, moi, Kelly Craft est en promotion. C'est lui qui représente. Alors, Kelly Craft, c'est émissaire américain qui était en Haïti pour tenter de résoudre la crise là avant l'arrivée de David Hale. Il fait que promu représentant des États-Unis auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui a considéré la promotion ça quelques jours après qu'il était venu en Haïti? Bon, et dans le système politique américain, pas de jouet. Il respecte les compétences, capacités et carrières. Il dit que là, pour est dans le net. Première fois, monsieur vient en Haïti, c'est 25 ans de gain. Il était simple employé à l'USAID. 25 ans plus tard, il vient monsieur assistant sous-secrétaire d'État dans le département d'État. C'est nous-mêmes qui avons besoin avec bagaille sérieux. Nous-mêmes, dans la politique, pas nous, dans tout ministère, nous avons besoin des professionnels qui font carrière. Les gens arrivent, les nets sont les gens qui maîtrisent tout dossier qui gagne dans le même. C'est même bagaille dans la diplomatie, nous. Donc, même pas saisi, parce que poste dans les Nations Unies, son poste qui est important que lié. Et lorsque ministre, et lorsque ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, ou participer à tout conseil des ministres. C'est seul ambassadeur des États-Unis, dans tout ambassadeur qui existe, qui a fait ça. Pour pas oublier que les États-Unis prennent présidence du conseil de sécurité. Son bon bagage que lié. Donc, bon, pour nous-mêmes, ben, ouais, c'est nous-mêmes qui avons fait. Les États-Unis offrent une possibilité pour une vigne à Israël représentée pour eux dans les Caraïbes. Malheureusement, nous tellement fait tintin, nous avons boulé l'école, nous avons boulé marché, nous boulé 10 marchés en 23 mois. Nous proposons que nous sommes des irresponsables. Mais les Américains, ouais, n'ont bêtisé, c'est Saint-Domingue qui passe devant nous, ni dans les Nations Unies, ni dans, ici dans Washington. Les arrivés pour nous commencer à corriger les problèmes, ça. Les arrivés pour nous gagner des leaders politiques professionnels qui ont une capacité de présenter des plans pour résoudre les problèmes de misère, problèmes de grand goût, problèmes de travail, santé, éducation que le peuple a gagné. Les arrivés pour nous sérieux quand on est dans la politique, là, trop bêtiseurs, renseurs. Les arrivés pour payer à prendre l'autre direction. Moi-même, je regarde nous de loin. Tout pays a fait un effort pour lever pied. Opportunité qui était gagnée. Pas gagner le demain. Donc je dis à nous besoin de leaders politiques. Au lieu de ces leaders politiques qui ont inspiré le peuple à bouler, écraser, briser, nous besoin de leaders politiques qui ont inspiré le peuple pour le construire. Bien entendu, une série de réformes dans le pays qui doit être faite, et ils ont commencé à faire.
la justice commence à faire travail. Donc pour moi-même, pendant que les États-Unis ont une institution et professionnel en deux institutions qui carrent les affaires, nous-mêmes tous les arrivés pour nous faire même bagaille là, que dans le parti politique, que dans le parlement, que l'autre côté. Merci Stanley, c'est un plaisir pour nous t'entendre. N'absolument pas une bonne journée avec nous. Et merci pour remercier, m'a dit jeune qui voulait continuer à faire échange, il a cliqué sur Twitter, à @StanleyLucas01 et à @commercial_StanleyLucas01. Comme demain, 10 décembre, c'est jour des droits humains, nous mettons pour eux un document qui est très important que le gouvernement haïtien a déposé devant la 173e session ordinaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Son document sur les droits humains en Haïti, c'est l'ICAPDO qui côté possède Petro-Caribe-AE. Dossier La Saline, il y a tout détail, Carrefour Feuille, Hospit Pétion, toutes sortes de besoins qu'on a, et pas spéculation que oui, réalité à qui ça lie en matière de droits humains, ou qu'à checker nous sur Twitter, à @StanleyLucas01 ou à commercial, ou à une copie là pour ça, pour étudiants qui ont besoin d'informer. Bon Dieu, bénou, bonne journée. Merci Stanley.